chers téléspectateurs, et merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Les notions de base, hein, vous les connaissez déjà. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une méga star. Oui, cette grande femme à la fois réalisatrice et scénariste qui nous a fait l'honneur d'être notre invitée en ce jour. Tout à l'heure, nous allons aller à sa rencontre. Mais avant d'y aller, un seul mot de base, je suis sûre que vous le connaissez chez vous. Silence, on tourne. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hall of Fame. Merci de m'avoir invité. Alors tu es de quelle tribu déjà? En fait je suis une Douala et de Dedo, pour ceux qui connaissent en fait. Chez nous on est les Bonamundo. Voilà. Donc tu m'as dit bonjour à ceux des téléspectateurs qui te regardent. Je leur dis bonjour en quelle langue? En Douala. En Douala. Bon, on dit only money. Comme un peu, c'est comme morning en anglais. Donc on dit juste money. Alors pour ôter le mystère sur ta personnalité, hein, dis-nous un peu qui est Françoise Elan. Françoise, c'est pas un peu bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais bon. Je suis une jeune réalisatrice et scénariste. Je m'intéresse à la pub, je m'intéresse au court métrage. Et j'ai fait récemment un premier long. Et puis je suis une passionnée d'écriture d'abord. Donc écrire, c'est vraiment mon truc. C'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise en général. Et puis, de fil en aiguille, je me suis passionnée de réalisation et de cinéma en général. Voilà. Il faut dire que tu es née le 8 février. Hein, ouais. Et c'est à 11 ans que tu écris ta première histoire. Ouais, je l'ai écrite, j'avais 11 ans. Et c'était assez glauque d'ailleurs, parce que je suis une fille assez glauque en fait. C'est que j'aime bien les histoires qui font peur. Ou les histoires qui s'intéressent à ce qui se passe là-dedans en général. Donc voilà. J'avais 11 ans et c'était un peu flippant pour ma famille parce qu'ils ont lu des trucs bizarres et tout. Voilà, à partir de 2002, tu participes au concours du jeune écrivain francophone. Comment ça s'est passé? En fait, c'est un concours de nouvelles où on écrit, on propose des nouvelles comme ça, il y a des règles. Mm-hmm. Et puis en fait, ça s'est super bien passé parce que j'avais essayé de toujours trouver des idées un peu originales. C'était mon souci en fait dans le concours. Et à chaque fois, en fait, quand on envoie une nouvelle au jury, il vous envoie un retour en vous disant ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et en fait, à chaque nouvelle, je voulais améliorer la précédente. Donc, moi, c'était vraiment un plaisir et j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Le journal intime d'un meurtrier, qui est devenu un roman plus tard. Alors, en 2006, tu fais tes premiers essais en tant que scénariste. Dis-nous quelques trucs par rapport à cela. J'ai écrit un premier court-métrage. C'était ce que j'appelle une erreur totale parce que j'ai écrit un... Comment ça, une erreur totale? Non, parce que j'ai écrit un court-métrage de 30 minutes. Quand on est lucide et quand on a envie de faire du cinéma, on commence à faire 2 minutes, 5 minutes, machin. Moi, j'ai commencé 30 minutes et j'ai parlé d'un sujet qui fâche. J'ai parlé d'homosexualité. Donc voilà, et j'ai tout fait... Et en fait, c'était une erreur parce que c'était trop long comme format pour un premier. Mais j'ai pu faire mon film. Moi, je suis une jusqu'au boutiste en fait. C'est qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Mm-hmm. Et voilà, je suis allée jusqu'au bout et c'était une première expérience qui m'a énormément appris. Voilà, mais en même temps, hein, l'homosexualité, c'est pas un sujet tabou. Oui. Ah bah vous trouvez. Si vous savez le nombre de trucs que j'entends sur l'homosexualité. Récemment, j'ai entendu le mot chose prononcé. Alors, je sais pas. J'ai des idées assez particulières sur des sujets comme ça. Donc, je voulais juste donner ma vision sur la chose. Voilà. Donc, c'est des sujets pour moi qui fâchent en général, qui suscitent des passions en tout cas. Oui. C'est que les gens sont très agités. Il y a ceux qui sont contre, ceux qui sont pas contre, ceux qui invoquent la religion. Enfin voilà, c'est un peu. Et moi, j'aime aussi des sujets comme ça qui dérangent. Voilà. Alors, rappelons que ta toute première expérience a été dans l'écriture. Mm-hmm. Voilà. Peux-tu nous parler un peu de ton tout premier livre, Journal intime d'un meurtrier? Journal intime d'un meurtrier, c'est. Je m'intéresse à un personnage qui. On se fiche complètement du fait qu'il soit un meurtrier en fait. Mm-hmm. C'est tout le côté un peu existentiel qu'il y a autour de lui. Est-ce que il y a aussi un questionnement sur le mot meurtrier? Un mec qui se retrouve dans un concours de circonstances où il est obligé de tuer quelqu'un, de tirer sur quelqu'un pour sauver sa vie. Pour sauver sa vie. Et celui qui se lève un matin en tirant sur tout le monde, est-ce que ces deux-là sont des meurtriers? En fait, c'est ça la question que pose le journal intime de meurtrier. Et je me mets vraiment à sa place parce que j'aime bien le mettre dans la peau de bonhomme, en fait. Parce qu'être une fille, ça m'intéresse pas déjà beaucoup. Dans mes histoires, je suis dans la peau des garçons. Voilà. Ouais, tu es dans la peau des garçons, comme on le voit. Ouais. C'est vraiment trop, hein. Ouais, je sais pas, je me sens à l'aise quand je suis moi, quoi. Je sais pas, tous les trucs, maquillage et tout non, ça. Tu n'aimes pas. Voilà. Mon truc. Ok, tu as écrit plusieurs films. Hein. Voilà, peux-tu nous faire un synopsis de quelques-uns?
Ou alors de chacun d'eux, si possible. Bon, les colloques, donc, c'était celui sur l'homosexualité. En fait, c'était un groupe de jeunes qui cherchent un nouveau colloque parce que l'appartement dans lequel ils sont est un petit peu cher. Donc, ils cherchent un nouveau colloque et ce colloque-là est styliste. Et très vite, ils le soupçonnent d'être homosexuel, donc ils veulent s'en débarrasser et ils se rendent compte qu'il n'est pas du tout homo. Et en fait, c'était tout un truc sur les préjugés. Mmh. Même s'il est homo, qu'est-ce que ça change? Il paye son loyer, il est tranquille, enfin voilà. Ensuite, j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Dad. C'était sur la solitude, en fait, je m'intéressais... j'ai personnifié la solitude. Oui. Et ensuite, il y a eu Miseria, j'ai personnifié la mort cette fois. Donc j'essaie de donner des figures. En fait, c'est des choses qui me font peur en général, auxquelles je donne des visages. Donc j'essaie de un peu diaboliser tout ça. Enfin, ne pas trop. On dit que pour guérir de ces traumatismes, il faut les toucher, il faut les appréhender. Donc c'est un peu l'idée. Ouais. Et puis j'ai fait un court métrage coup de tête, comme j'appelle ça. C'est ça s'appelle Big Woman Don't Cry. C'est je m'intéresse à la femme de boxeur. Oui, justement, j'ai eu un regard. Ouais. Parce que celui-là, en fait, je me suis demandé ce que ça fait à une femme de voir son mari se faire taper dessus sur un ring. Il y a même une partie où elle se mettait à pleurer. Non. En fait, elle, parce que ce qu'elle a développé, c'est qu'elle ressent physiquement la douleur que lui ressent. Oui. Donc elle, ça apparaît sur elle, en fait. Et c'est ça, je voulais créer une relation tellement. Elle est tellement proche de son mari et elle le soutient tellement qu'il développe ce chose où quand il se fait cogner sur un ring, elle reçoit le coup aussi, en fait. Mm-hmm. Donc c'est ça. Après, j'ai fait Neck. Neck. Neck, N-E-K, qui je m'intéresse à un prisonnier qui est enfermé, qui en fait on est quelques heures de sa condamnation à mort, il va être comment on appelle ça là, on coupe la tête là, j'ai oublié le nom. Hein. Il va être décapité. Et en fait il fait sa confession à un prêtre. Et on se rend compte que ce monsieur est un nazi, un ancien officier SS qui fait son mea culpa en fait. Et qui se crée comme ça un prêtre qui est une figure que nous, en tant que personne, en tant qu'être humain, on excuse d'écouter un personnage comme lui. Voilà, donc fait son mea culpa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un court-métrage qui s'appelle At Cross Range. At Cross Range. Ça veut dire à bout portant. À bout portant. Et je l'ai tourné pendant mes études en Angleterre parce que j'ai fait un master cinéma et post-production en Angleterre. Et c'est un court-métrage qui parle de suicide. Et voilà, c'est deux amis, dont un qui est suicidaire et l'autre ne se rendait pas compte. Donc son ami finit par se suicider, il se sent tellement coupable de ne pas avoir vu que son ami n'allait pas bien, qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a tué. Voilà. Ensuite, c'est un film d'école que j'ai tourné en 35 mm en fait, en pellicule. Et puis j'ai fait un autre cours, ça s'appelle When Sukina Disappeared. Pareil, en numérique 4K. C'était pareil, un court métrage sur une nana aveugle en fait, qui arrive à lire les gens comme ça, elle a rapporté leur aide quand ils sont dans des moments où ils sont prêts à tout lâcher, elle leur dit non, c'est pas la bonne solution, c'est plutôt aller vers là. C'était un peu elle qui donnait le chemin vers les choses, quoi. Puis j'en ai fait un autre, mais j'arrive plus à retenir. Waka. Waka, c'est un long métrage, donc Waka, c'est mon premier long et on parle de prostitution. Oui. Mais justement, en parlant de Waka, ici en Afrique, on dit d'une femme qu'elle est Waka lorsqu'elle marche beaucoup, elle monte, elle descend, elle fait des trucs un peu dingues. Est-ce que ça désigne la même chose dans ton... En fait, Waka, pour moi, c'est pas... En fait, la prostitution est un petit peu un prétexte pour raconter autre chose, en fait. Pour moi, l'idée, c'était de parler d'une mère qui se bat pour son enfant. Voilà. Et puis j'ai mis la prostitution. Bon, la prostitution, en fait, c'est de la mettre dans une position que nous, on juge dégradante vis-à-vis de la société pour mieux montrer son combat en tant que mère. En fait, voilà, c'était vraiment ça l'idée. Et puis, Waka, en fait, j'en ai fait un sigle, W.A.K.A, qui signifie Woman Acts for Her Kid Adam. Mm-hmm. Adam, qui est le nom du petit. Et en fait, j'ai utilisé trois sens du terme. Donc, Waka, dans le sens dont le pidgin qu'on connaît, marcher, avancer, parce que c'est ce qu'elle fait, cette femme. Elle essaie d'avancer dans sa vie. Mm-hmm. Et la Waka qu'on connaît, et puis ce sigle. Voilà, particulièrement dans Waka. J'ai eu à regarder et puis je constate qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce film Waka. Est-ce que ça dit que tu aimes beaucoup tourner avec les plus petits? Bah, les enfants, je trouve qu'ils ont ce côté magique, ils trichent pas en fait. Les enfants, ils sont pas. Ils ont ce côté vrai et ce côté. Quand ils n'aiment pas quelque chose, ils le font pas. Quand tu peux pas forcer un enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire en fait. Et en fait, moi, la relation que j'ai eue la plus étroite, c'était avec le petit qui jouait Adam 3 ans. Il s'appelle Herman. Il était génial le moment. Enfin, c'était pour moi, c'est un futur acteur ce moment. C'est que quand on commençait à tourner,
il savait que ça tournait, la caméra tournait, donc il remettait toujours son t-shirt en place, donc les raccords, attention, ouais, il faut bien... Le raccord est très important, donc oui. Il connaissait ses raccords. Et puis il avait ce côté où il était très malléable en fait. On lui donnait des moyens mnémotechniques. Je disais, par exemple, quand il dit bonbon, tu regardes là-bas. Et à chaque fois qu'il disait bonbon, quand on refaisait des prix 150 fois, il n'oubliait jamais de regarder à gauche quand on disait bonbon. Mm-hmm. Et pareil, je lui donnais des petits mots. Et aussi, il avait ce côté où il n'a jamais regardé une fois la caméra. C'est vrai que c'est quand même terrible parce que la caméra c'était une Red Scarlett, c'était une grosse caméra qui est imposante, qui prend de la place. Mm-hmm. Et c'est, quand on met une caméra devant un enfant, il ne peut pas s'empêcher de la regarder. Mais il n'a pas regardé une fois la caméra. Mm-hmm. Et ça a été vraiment un gain de temps. Donc moi les enfants, moi j'ai une relation assez particulière avec les enfants parce que j'adore les enfants. Et du coup moi c'était vraiment un plaisir de travailler avec les enfants, avec Franck Athée aussi, le petit Franck, que j'ai traqué partout parce que j'ai découvert à la nuit du court-métrage Le Douala. Mm-hmm. Et puis c'est absolument lui que je voulais, donc j'ai demandé à mon directeur de casting. Il était alors particulier dans son état d'être. Ouais, parce que il a fait un court-métrage qui s'appelle Wash. Très spécial où il est vraiment bon quoi. Et moi je le voulais, c'est un petit anglophone et j'ai réussi à l'avoir. Mm-hmm. Donc, Il faut rappeler que ce film Waka a ouvert la 17e édition des Écrans Noirs au Palais des Congrès. Mm-hmm. Oui, comment tu as ressenti cela? Ah bah là c'était un petit peu la panique, hein, j'avoue. Mm-hmm. Parce que je ne m'attendais pas du tout, c'est la veille de mon arrivée, le jour de l'ouverture que j'ai appris que mon film allait faire l'ouverture parce que c'était pas prévu, c'était pas ça qui était prévu. Et puis c'était tout un chamboulement parce que c'était pas du tout les mêmes enjeux. C'est être dans une sélection simplement et compétir avec d'autres films, c'est très différent de c'est le film qui va ouvrir le festival, donc qui va donner le ton en fait. Ouais. Et pour moi c'était un grand honneur déjà. Et ouais. Je remercie particulièrement M. Bassek Bakobio qui m'a permis de faire l'ouverture de son festival. Et c'est quand même la 17e édition, c'est pas rien. Enfin, donc il y avait une espèce de grande pression qui était un peu hallucinante, mais que j'ai géré à ma manière. Moi, je pressionne toujours quelques minutes avant, une fois que je suis dedans. Mais non, j'ai passé un super moment, sauf pendant la projection. J'ai passé un super moment, surtout dans l'échange avec les gens. Mm-hmm. Parce que les gens étaient très intéressés. Alors, dis-nous un peu, hein, Françoise, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce film, ce magnifique film Waka? Alors, je n'ai pas écrit Waka. Le scénariste de Waka s'appelle Séraphin Kakwang. Mm-hmm. Et il est ici, il est au Cameroun, c'est un scénariste camerounais. En revanche, j'ai eu l'idée du film. Ça veut dire que c'est moi qui ai soumis l'idée à Séraphin. Je lui ai dit ce dont je voulais parler, je lui ai dit quels étaient un petit peu les personnages que je voulais mettre en avant. Et on a travaillé en étroite collaboration, il m'envoyait des premiers jets, et je réécrivais. Mais il a fait les trois quarts du travail, quoi. C'est Séraphin qui l'a fait, donc le film a été écrit par Séraphin Kakwang. Et moi en fait c'était le film, l'idée du film est partie sur cette phrase que je trouve moi un petit peu aberrante et hallucinante, de quand on dit à une femme qu'elle est une mauvaise mère. Pas une bonne mère. Qu'est-ce que ça veut dire être une bonne mère pour moi? Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Parce qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un mode d'emploi quelque part de ce que c'est qu'une bonne mère? Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise mère? Tout est parti de là en fait. Est-ce que Mathilde est plus une mauvaise mère parce qu'elle se prostitue ou elle reste une bonne mère parce qu'elle s'occupe de son enfant? Enfin, voilà. C'est un peu ça la question. Okay. Tout est parti de là en fait. D'accord. Alors justement, chers téléspectateurs, en parlant de ce film Waka, je vous propose de regarder ce making-of du film et on se retrouve juste après. So were you screwing me so you could fuck me? Or did you fuck me to screw me? Very dramatic. Like in your office? It'll do for now. Look, we had a nice thing. It's over. So if you think you can't work with me, for me, I can have you transferred. Someplace nice. The Bronx, maybe.
Just say the word. Touché. About you, Catherine. Sorry, do I know you? Does that matter? They need you, Kate. Your little Dewey, he's calling your name. And Lily. Think of Lily. Don't leave them. I can't go back. Andrew will kill me. Close your eyes. Harry was the best friend you can imagine. No. More than that. He was my brother. A real brother would have noticed his problems, right? I left him alone. Attends, Manfred, sache-le. Si en ce moment, tu sens comme un ver en toi qui se promène sur chaque muscle de ton corps, c'est que la culpabilité aura raison de toi. Elle te rongera et ne s'arrêtera que lorsqu'elle aura sucé ton sang jusqu'à la dernière goutte. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez regardé des extraits du making of du film Waka, de la grande, de la belle, de la subliminale, Françoise et Laure. Voilà, de retour sur ce magnifique interview. Françoise, dis-nous un peu, hein, lors de la diffusion de ce film, on a constaté un petit souci au niveau de la technique. Comment as-tu réagi? Non mais petit est un faible mot en fait. Le vrai mot serait gros souci. Non, parce qu'en fait, il y a eu un problème de projecteur ou je ne sais trop quoi. À la première image, à la première seconde, je savais déjà que c'était pas la bonne diffusion. Donc, ouais. Je suis sortie de la salle. Ouais. Je suis sortie de la salle, je crois que je restais peut-être une demi-heure dehors. Mais j'avoue que il y a deux personnes qui m'ont suivie et qui ont été un petit peu solidaires. C'est Monsieur Bamba Bakary. Je ne sais pas si vous connaissez ces demi-dieux, le film Balle Poussière. Ouais. Donc, Monsieur Bamba Bakary m'a suivi, il a un peu partagé ma petite douleur du moment, et Monsieur Bassek Bakobio qui est sorti aussi. Mais après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si les spectateurs sont là, et qu'ils restent devant le film à continuer à le regarder, la moindre des choses, c'est que j'y retourne. Alors, j'y suis retournée, j'ai serré le cœur au bout d'une demi-heure dehors, et je suis retournée dans la salle. Premier long métrage, hein, et tu décides de le tourner au Cameroun. Quelles ont été tes motivations? En fait, donc le
premier long métrage, en fait, c'est une étape qui est très importante pour un jeune réalisateur en général, parce que le court et le long, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir rendre hommage à mon premier chez moi, parce que je suis camerounaise avant tout, et puis je voulais, pour ce premier film, vraiment poser pied au Cameroun et aller voir comment ça se passe, en fait, finalement. C'était un pari très risqué, c'était limite du suicide, hein, qu'on appelle ça, du suicide cinématographique, qu'on appelle ça. Parce que ce qui était très important, c'est de pouvoir aussi mettre en avant les techniciens camerounais. Parce que voilà, on a ce regard du cinéma africain qui est assez négatif en Occident. Donc c'était pour dire, écoutez, au Cameroun, on sait faire des choses, il y a des gens qui savent faire des choses. Et puis le mariage, en fait, franco-cameroun peut fonctionner, c'est un métissage, hein, c'est comme tout. Et puis, parce que le film est vraiment franco-camerounais, c'est vraiment une passerelle entre la France et le Cameroun. Et je voulais montrer que ça peut fonctionner sans conflit, sans machin. Et puis voilà, j'ai pas regretté et j'ai découvert un tas de trucs, j'ai appris énormément. En fait, je me dis qu'après, ouais, quand même, plus rien qui peut me faire peur. En fait. Quel message cherches-tu à véhiculer à travers ce film Waka pour ceux qui regarderont ton film? En fait, moi, alors message, il y a forcément un message, c'est sûr, c'est toujours s'intéresser au passé des gens. Je veux dire, je vois cette femme, il ne s'agit pas de lui dire « Oh, c'est une Waka », et puis voilà. Non, c'est pas intéressant ça. C'est vraiment de se demander qu'est-ce qu'il y a fait dans la vie de cette femme pour qu'elle se retrouve là où elle est aujourd'hui et pour qu'elle laisse et pour qu'elle se mette à faire ça pour subvenir à ses besoins. Voilà, il faut se poser des questions en fait. Il ne faut pas juger la vie des gens sans connaître leur passé en fait, sans connaître les raisons qui les ont amenés à faire des choses. Cette phrase facile là, c'est pas une bonne mère. Enfin, je sais pas, on sort de nulle part, on sort ça. Moi, ça me parle pas. Et c'est vraiment forcer les gens à se poser des questions, à plus s'intéresser aux autres plutôt qu'à. À soi, voilà, c'est ça. Après, au final, chacun fait un peu ce qu'il veut. Hein. Celui qui trouve qu'il n'y a pas de message, c'est son problème. Celui qui trouve que, au contraire, je suis en train d'encourager des choses, c'est qu'il n'a pas compris mon film, j'ai envie de l'encourager à regarder une deuxième fois, en fait. Donc, dans l'idée, c'est ça. Mm-hmm. Alors, on a eu à descendre dans la rue. Hein. On a interviewé quelques-uns des téléspectateurs qui ont quelques petites questions à te poser. Voilà, sans, si tu ne trouves pas d'inconvénients, bien sûr, c'est tout de suite dans Freestyle. Ça dépend de la question. Pierrette Nadine Olinga. En fait, Françoise, aussi belle que vous êtes, je voudrais savoir si vous êtes mariée ou alors vous êtes toujours célibataire. Parce que j'ai mon grand frère qui cherche justement une femme. Alors, si vous êtes encore à temps, dites-le moi. Oui, bonjour. Je suis enceinte, réalisateur camerounais. J'aimerais bien poser la question à Françoise. Qu'est-ce qu'elle pense du cinéma au Cameroun? Je m'appelle Nicolas Oscar. Le problème de toute nationalité, nationalité au Cameroun. Françoise, possédez-vous une nationalité? Françoise, tu as eu à regarder les différentes interventions des téléspectateurs. Mmh. Oui, il faut répondre à la première question qui est celle de savoir est-ce que Françoise est-elle un cœur à prendre? Françoise n'est pas un cœur à prendre. Non, elle n'est pas un cœur à prendre. Ben les garçons, ils vont pleurer. Je sais pas s'ils vont pleurer, hein. Il y a plein de femmes dehors. Hein. Ouais. Non, je ne suis pas à prendre, non. Je ne suis pas du tout à prendre. Ok. La question numéro 2 était celle de savoir que penses-tu du cinéma camerounais? Qu'est-ce que je pense du cinéma camerounais? En fait, j'ai pas tellement d'opinion. En fait, je me pose la question de ce que c'est que le cinéma camerounais encore. En fait, tant que j'ai pas cette réponse, je peux pas moi y répondre. En fait, c'est que moi, quand on me demande de citer des films camerounais, c'est des films qui datent d'il y a 25 ans. En fait, donc j'arrive pas à trouver un film moi qui me parle assez pour que j'ai l'impression de regarder un film camerounais. En fait. C'est terrible, mais c'est la vérité. Mmh. Voilà, et enfin, la troisième question du téléspectateur. Françoise a-t-elle une double nationalité? Une double nationalité? Françoise n'a pas des doubles nationalités, elle a des doubles, des triples, des quadruples cultures. Voilà, mmh. C'est ça la bonne question pour moi. C'est que j'ai plusieurs cultures en moi, et puis des cultures que j'assume totalement. En fait, je ne fais pas des réactions violentes quand on me pose des genres de questions comme ça. Je suis plutôt du genre à dire mes doubles cultures, voire mes triples cultures sont ma force. Celui qui voit ça comme une faiblesse, c'est qu'il n'a rien compris. Pour moi.
faut pas refuser la richesse d'esprit, ça ne se refuse pas, hein, vous savez. Avoir plusieurs cultures, ça va plus d'ouverture d'esprit, en ce qui me concerne en tout cas. C'est de penser autrement. C'est quand je suis au Cameroun, je suis autant à l'aise que quand je suis à Paris, que quand où je peux être dans n'importe quel autre pays. Enfin, voilà. Je m'adapte facilement aux lieux et aux endroits, en fait. Voilà. Parlons de ton film Waka. Mm-hmm. Certains comédiens castés au départ ont eu à être remplacés plus tard. Quelles ont été les causes? Les causes? Je dirais incompatibilité de caractère. Parce que j'ai du caractère. Je vais peut-être pas l'air comme ça avec ma petite fleur, là, tout ça, mais... Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas tellement... c'est l'incompatibilité de caractère, c'est l'incompatibilité... des problèmes de communication aussi. Mm-hmm. Après, je dis pas que je suis pas responsable, hein. Moi, j'assume totalement ma responsabilité, hein. Dit que il y a de ma part de responsabilité que j'assume pleinement. Donc quand ça fonctionne pas, moi je suis pour avancer, moi je m'arrête pas à des... Et puis si c'est pas ce projet, c'est un autre. En fait, le problème que je rencontre beaucoup quand je côtoie des cinéastes camerounais, c'est qu'ils s'arrêtent sur une chose. Ça veut dire on n'a pas pu travailler sur un projet, ça y est, c'est la fin du monde, on ne peut plus se parler, on ne peut plus se dire bonjour, on ne peut plus... je sais pas, c'est un projet parmi 10 milliards d'autres projets, quoi. Il y a ce côté très court terme qui me pose un problème, et puis on ne s'entend pas sur un projet, on peut s'entendre sur 10 milliards d'autres projets, il n'y a pas de problème. Et il y a cette étroitesse d'esprit, là, qui est de... on a eu un différent sur un projet, donc on est des ennemis. Mm-hmm. Personnellement, je n'ai pas d'ennemis. Un comédien ne me convient pas, ou on a des divergences d'opinion, on se sépare très poliment de ma part, de mon côté en tout cas. Et puis moi je suis pour dire que si aujourd'hui par exemple j'ai fait mon film et que le personnage par exemple, de Luc est Alain Bomo, c'est parce que ça devait être comme ça depuis le début. C'est juste que j'ai mis du temps à le comprendre. Ok, d'accord. Voilà, ouais. Je suis comme ça. La question que l'on se pose, hein, qu'est-ce qui t'a guidé dans le choix de tes acteurs principaux? Il y a du casting, parce que moi j'aime beaucoup les castings en général, et il y a du casting, et puis il y a de l'instinct aussi. Il y a des acteurs pour moi qui valent de soi. Par exemple, le personnage de Max, qui est joué par Bruno Henry. Enfin, pour moi c'est indéniable que c'est Bruno Henry. Enfin, je connais Bruno, on travaille ensemble depuis suffisamment longtemps pour que je sache le gain de temps qu'il est pour moi sur un plateau, et surtout la palette de jeux qu'il a. Et puis cette force d'adaptation qu'il a, sa première fois qu'il venait au Cameroun, il était comme un poisson dans l'eau. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi Yoli Fuller qui joue Adam 30 ans. Pareil, c'était vraiment instinctif. C'est des personnes que je connais. Et le reste, c'était du casting. C'était du casting qui était fait par Francis Kenyé et Gervais Dimelli. Donc c'est eux qui ont fait le boulot de casting, en fait. Voilà, c'est un comédien, hein. On pensait que c'était un gros risque de confier un film pareil à une comédienne qui n'a pas encore fait ses pas, voilà, dans le monde cinématographique. Que leur réponds-tu? Je leur réponds que la réflexion elle est bien idiote, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Oui. Et que je sais pas, c'est comme une boîte, on vous dit c'est pour les habitués. Il faut bien que je rentre la première fois. Enfin, je veux dire, je vais pas naître habitué, on est d'accord ou pas? D'accord. Donc à partir de là, moi je me dis, elle a droit à sa chance. Comme moi j'ai eu droit à ma chance de faire un premier long. Et puis on a droit à notre chance, ou c'est peut-être votre chance d'être chroniqueuse. Bien sûr. Donc voilà, on saisit nos opportunités, et il n'y a pas de se dire si elle est crédible dans ce qu'elle fait. Le reste, on ne devrait même pas. Justement, et puis le premier qui me dit qu'il prend pas de risques quand il fait du cinéma, j'ai envie de lui dire de faire de la broderie, d'arrêter de faire du cinéma. Voilà, donc ouais. Cinéma, c'est ça, c'est prendre des risques. Mm-hmm. Et quand on ne sait pas ça, on change de métier. Voilà. Bah là, la disponibilité des fonds, hein, a-t-elle conditionné le casting? Pas tellement, en fait. Enfin, si, un petit peu, je dirais oui et non, parce que moi j'étais très claire, hein, dans ce que je disais. Après il y a eu des problèmes de communication qui sont faits après au niveau des productions, tout ça. Mais moi je suis très claire quand je parle, hein. Moi c'est A, c'est pas B, c'est pas A+, c'est pas A-. Et que il y a des quoi qui se sont faits par rapport au budget. On a tous le choix. Si le budget ne te convient pas, tu as tout à fait le choix de partir. Et puis c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que les comédiens, c'était pas des rémunérations que je proposais, c'était du défraiement. Ce que moi j'appelle un défraiement, ça veut dire que j'ai pas les moyens de te payer, parce que je fais un petit film, c'est vraiment un petit film, un micro budget, on appelle ça. Et pour moi, je peux pas appeler ça une rémunération, parce que c'était vraiment pour soulager la personne, de dire ok, je peux pas te payer. Bon, j'aimerais te payer, parce que j'ai pas les grosses boîtes de prod derrière moi, j'ai pas la thune qu'on croit. Mais en revanche, je peux faire en sorte que les fêtes, parce que c'était pendant les fêtes, oui. Un peu avant les fêtes, que tu passes les fêtes un peu normalement. Alors, c'est ça en fait que je proposais. Voilà. Donc, mais en même temps, il y a aussi ce côté où il y a les acteurs qui étaient là aussi parce qu'ils aiment le film.
Et c'est surtout ça qui a conditionné le casting, plus le budget. Tu as un moment à lancer un appel de financement sur Facebook. Voilà, quel a été le résultat? Kiss, kiss, bang, bang, c'est ça. Ouais. Ça s'appelle du crowdfunding. Ouais. Et le crowdfunding, c'est en fait une plateforme où on présente des projets et on propose des contreparties. Par exemple, on dit pour 5 euros, remerciement dans le générique, pour 10 euros, je sais pas quoi. En fait, c'est le porteur de projet qui propose un projet et puis les internautes, donc les amis, des amis, des amis, des amis, qui mettent chacun des petites sommes comme ça. Et à force de petites sommes, et puis on est nombreux, ça devient des grosses sommes en fait. Et c'est le principe du tout ou rien. Ça veut dire qu'en gros, j'ai 90 jours pour réunir une certaine somme. Si les 90 jours passent et que je n'ai pas atteint 100% et plus du budget, je perds tout. Et si j'atteins 100% et plus, ma foi, l'argent est pour moi. Très bien, je fais mon projet. Voilà, vous avez tourné votre film hein, en un mois. Voilà, c'est ça, bien, si je ne me trompe en pas. En 4 semaines et demie. En 4 semaines et demie. Quel était le plus difficile dans la gérance du travail? Ben, c'est le temps en fait. Parce que le temps c'est de l'argent, comme on dit, et le temps nous a pêché en fait. Mmh. On a eu problème de temps à gérer, etc. Et j'ai fini ma vie, ma réponse. Ok, d'accord. Voilà, la production du film a été faite avec un matériel de qualité. A-t-il été facile ou bien difficile de la procuration? Facile, non, parce qu'il n'y a rien qui est facile au cinéma, en fait. C'est une question de négociation. C'est que les Loirs avec qui j'ai travaillé, je les connaissais. Et puis, ils ont été vachement sympas. Ils sont très patients. Je les trouve très patients. Je les remercie, d'ailleurs. Mmh. On avait du budget et on pouvait aller chercher par rapport au budget qu'on avait du matériel. Mmh. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. On a loué du matériel en fait, et loué du matériel avec un budget assez ric-rac, mais un budget qui a été compris par les loueurs et qui ont été donc super sympas. Voilà. Voilà, quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées hein, avant et après le tournage ou pendant le tournage? Difficultés majeures, avant, bah, c'est le budget, de réunir un budget, c'est très difficile. Ouais. Surtout pour un premier long métrage, c'est très dur. Et puis il y a aussi le côté où j'ai ramené des techniciens français avec moi. Et certains, l'Afrique, ils connaissent pas, alors ils s'imaginent des trucs. Quand on leur parle de l'Afrique, on parle de guerre. Ils ont l'impression qu'à chaque fois, on est en plein guerre civile en Afrique, partout où on va. Donc c'est compliqué de convaincre comme ça. Ils ont l'impression que dès que tu mets l'orteil dehors, tu chopes une maladie aussi. Enfin, c'est un délire. Donc, ils ont une vision qui est assez chaotique de l'Afrique et totalement aberrante, en fait. Donc j'ai eu ces difficultés-là au début. Du coup, j'ai perdu une première assistante comme ça en chemin. Perdu, c'est-à-dire? Elle s'est désistée. Mais c'était pas pour les raisons que je viens de citer, hein, parce qu'elle n'était pas du tout ce côté, elle n'avait pas cette vision-là de l'Afrique. Mais il y a d'autres facteurs qui ont fait que finalement elle ne pouvait pas, et puis j'ai dû, du jour au lendemain, comme ça, essayer de trouver un premier assistant, etc. etc. Voilà, comme ça. Alors, ton film est coproduit par deux maisons de production franco-camerounaises. Pourquoi avoir choisi cette option? Mon film n'est pas coproduit par une production franco-camerounaise. Mon film est produit par Grisouille Productions et LFR Film, avec une production exécutif qui est camerounaise. C'est pas du tout pareil en fait. Mais le film est camerounais grâce à monsieur Claude Zemarienne, que je salue au passage, alias Bobby Chaman, qui en fait fait partie des investisseurs de Waka. Donc il a mis tout son matériel à disposition et il a injecté de l'argent dans le film. Donc le film est camerounais grâce à lui en fait. Voilà, et pourquoi alors ce mixage franco-camerounais? Beaucoup de personnes se disaient que c'était une idée du réalisateur. C'est moi en fait, il n'y a rien à chercher de plus loin que ça. Je suis franco-camerounaise et je l'assume totalement. Donc, et pourquoi avoir choisi de mixer France-Cameroun? C'est pour montrer que le mariage fonctionne. La preuve, je suis là, je fais les films en France, au Cameroun, et puis voilà. Que ce mixage-là, il peut être intéressant culturellement parlant, il peut être très intéressant. Donc voilà, moi je suis pour. Et puis moi j'assume totalement mon côté français, j'assume totalement mon côté camerounais. Et puis pour certains je suis pas assez française, pour d'autres je suis pas assez camerounaise. Je suis un peu le cul entre deux chaises, comme on appelle ça. Mais moi je sais qui je suis, donc à partir de là, mes films reflètent ce que je suis. Mmh. Voilà, tu vis en France depuis ton enfance, c'est ça? Ouais. Voilà, et que savais-tu de l'univers cinématographique camerounais en venant tourner sur place? Rien du tout. J'avais rien du tout, j'avais juste regardé Quartier Mozart. Et puis c'est tout. Je savais rien du tout en fait. Parce que moi, toute ma culture cinéma et tout ce que j'ai appris du cinéma, je l'ai appris en France.
Mais la preuve que j'ai pas oublié, que je venais de quelque part, donc ça m'a intéressé de venir et puis j'ai pas eu peur. Pourtant j'ai eu plein de gens qui ont essayé de me décourager en chemin. Je recevais des textos de je sais pas qui d'ailleurs, textos pas signés qui me disaient à quel point j'étais folle de croire que je pouvais faire un film au Cameroun. Wow. Avec si peu de budget, je dis bah. Sauf que moi, les personnes qui doutent de moi me donnent beaucoup de force en général. Donc ils savent pas ça. Donc continuez à douter. Continuez à me dire que je suis folle, à dire que je vais pas y arriver. Et plus on dit que je vais pas y arriver, plus j'y arrive. Voilà. En langage cinématographique, hein, peux-tu nous parler de la méthode Kiss Kiss Bang Bang ou alors Fan Crowding? Crowdfunding. Bah, je sais pas, en langage cinématographique, ce que ça veut dire. Hein. Moi, je sais pas, c'est juste de la solidarité, c'est tout. Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang. Alors, tu es actuellement au Cameroun dans le cadre d'Erifik. Peux-tu nous toucher un mot par rapport à cela? Ben, je suis venue invitée par Franck-Olivier Ndema, qui est le délégué général de l'IFIC, des rencontres internationales des films courts, et qui se sont déroulées du 9 au 16 novembre. Et en fait, j'y tenais un atelier scénario où j'avais 10 stagiaires que j'ai créé un 5 groupes, des binômes d'écriture, parce qu'en fait, je voulais les forcer à se rendre compte que écrire, c'est réécrire. Et qu'un scénariste est très différent d'un écrivain, parce qu'un écrivain écrit seul, alors qu'un scénariste a besoin des autres pour écrire. Donc du coup, voilà, c'est un atelier qui s'est très bien passé. On a fait donc 5 projets de cours. Et en fait, j'ai improvisé en cours, je vous avoue, le tournage d'un des courts-métrages, du meilleur court-métrage de l'atelier, qui a été écrit par Aminatou Mundi et Rostan Wanja, et qui a été réalisé, on a réalisé le film. C'est un film de 4 minutes et demie, générique compris, qui s'appelle Jackpot, et qui est co-réalisé par Rostan Wanja et Neb Dawan. Voilà, donc on a... c'était une superbe expérience. Le film est en train d'être diffusé en ce moment. J'espère que leader cas. Alors il faut comprendre de par tes accessions que tu nourris déjà d'autres projets au Cameroun. Ah oui, j'ai dit ça moi. Non, mais j'ai toujours des projets en fait. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui s'arrête jamais en fait. Je suis non-stop woman et que j'ai toujours 10 milliards de projets en tête. J'ai des projets pour le Cameroun, mais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors, voilà, que penses-tu des réalisateurs au Cameroun? Qu'est-ce que je pense des réalisateurs au Cameroun? Je pense qu'il y en a trop. Il y en a trop de réalisateurs. Ils veulent tous être réalisateurs. Au bout d'un moment, si on veut tous être réalisateurs, il n'y a pas de technicien, on fait pas de film. Hein. C'est pas... Et en fait, je sais pas s'ils ont conscience de ce que c'est qu'être réalisateur en fait. J'ai l'impression que pour eux, réalisateur, c'est plus du je suis spotlighté. Tout autour de moi. C'est vraiment très bizarre. Enfin, moi, je rencontre plein de gens qui m'annoncent tous qu'ils sont réalisateurs, en fait. Alors qu'à la base, c'est les autres qui devraient me présenter cette personne en tant que réalisateur. C'est pas quelqu'un qui va se proclamer réalisateur comme ça et tout, mais j'ai l'impression que tout le monde se proclame réalisateur. Ouais. Il y en a trop. Il faut plus de techniciens que de réalisateurs, en fait. Et tu penses collaborer un de ces quatre avec les icônes du cinéma au Cameroun comme Alphonse Béni ou alors Wandi Belobo, Bekolo, voilà. C'est Jean-Pierre Bekolo. Bah, moi, je suis pour les collaborations en général. Hein. Après, ça dépend du style de film qu'on fait, parce qu'on n'a pas peut-être forcément les mêmes visions. Mais Narcisse Wanji, normalement, ça ne saurait tarder. En revanche, Monsieur Bekolo ou Monsieur Béni, je ne sais pas. Je ne suis pas en contact avec ces messieurs, bien que je suis leur travail. Hein. Moi, parce que moi, je suis pour suivre les travaux des autres. Je ne m'arrête pas à Françoise Zelonga fait un film et puis basta. J'essaie de me renseigner sur les autres, mais... Si l'occasion se présente et que ça me parle, pourquoi pas, sinon c'est pas dans mes projets pour l'instant. Que penses-tu du réalisateur Richard Diff, voilà, qui a écrit Les Derniers Prédateurs, c'est ça, et qui a été retrouvé agonisant dans l'un des quartiers de la capitale du Cameroun? Est-ce à dire que le métier de réalisateur est un métier dangereux? Dangereux, c'est rien. Enfin, je ne sais pas en quoi c'est dangereux d'être un réalisateur. Après, je vous avoue que cette histoire, moi, je l'ai un peu vécue de loin. Et c'est sans hypocrisie que je vous dis que je ne me suis pas penchée sur la question plus que ça. Mais vraiment, je suis très honnête dans ce que je dis là. Je suis penchée sur la question plus que ça parce que je n'ai pas trouvé le pourquoi on en a fait tout un plat. Et puis, il y a tout un truc sur il n'a pas vraiment été mutilé. Voilà. Et puis, machin. C'est et moi, j'aime pas. J'aime pas les rumeurs, moi. Donc moi, dès qu'il s'agit de rumeurs, je m'éloigne vite, 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 vite. Et je préférerais rencontrer un jour Richard Diff et qu'il m'en parle. Ça ne m'intéresse pas ce qu'on en dit dans la presse et ce qui se raconte. Entre ceux qui disent qu'il s'est fait couper un doigt, ceux qui nous disent, bon, on a vu sa main, elle est entière. Et puis ceux qui nous disent, son film... En fait, moi, ce que je trouve très dangereux, en revanche, c'est... Vous imaginez, il a fait un film... Moi, j'ai vu quelques extraits du film. J'ai pas...
Je sais pas si c'est un film qui mérite ou qui devrait susciter autant de passion. Hein. Enfin, je veux dire, son film, il est plutôt simple, il est plutôt sincère, peut-être, je sais pas. Mais je me dis, si on te coupe un doigt pour un film comme ça, le jour où tu fais un film qui tient vraiment la route... On va te couper la tête. Alors là, on te brûle vif. Hein. C'est terrible hein, de se dire ça. Et vous imaginez déjà que le regard que les Occidentaux ont sur l'Afrique au cinéma, du cinéma, alors allez leur annoncer qu'on vous coupe un doigt pour un petit film de rien du tout, vous êtes sûr que les mecs, ils n'atterrissent jamais ici pour tourner. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas trop pour tous les trucs spéculatifs, là. Moi, j'attends... moi, je vois d'abord mes propres yeux. Tant que j'ai pas vu son doigt coupé, là, moi, ça me Ok. Qu'est-ce qui peut stopper Françoise Hillon dans le métier qu'elle a choisi et qu'elle aime bien? Bah, il y a que moi-même qui peut m'arrêter. Non, c'est vrai, il n'y a que moi-même qui peut me dire un jour, bon, allez, faut que j'arrête, stop. Mais sinon, je ne vois pas qui c'est qui peut m'arrêter. Ou qu'est-ce qui peut m'arrêter. Elle a un conseil à donner à l'endroit de ceux qui te regardent et qui veulent véritablement faire carrière dans le métier de cinéma, comme toi. Voilà, j'ai envie de leur dire d'arrêter de se poser des questions et de faire des films, voilà. À force de se poser des questions, on ne fait rien. On est là à se demander, est-ce qu'on refait le monde. Donc j'ai envie de leur dire, tournez des films, après posez-vous des questions. Françoise, tu as plusieurs casquettes, hein, il faut le dire. Oui, je sais. C'est vrai que tu as réalisé des films, oui. Mais également des spots publicitaires, des clips vidéo. Oui, j'ai... par exemple, il y a le clip de Frankie P. Que j'adore. Ah bon? Oui. Bah, les deux, alors, parce que bah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années déjà, et on s'est très bien entendus tous les deux, et puis en fait, j'ai été contactée par Patrick Ebongé. Qui est son manager et il allait tourner son clip Champagne Hop. Et j'étais au Cameroun à ce moment-là, donc on s'est tout de suite mis en relation et puis on a commencé à essayer de penser comment on pouvait tourner ce clip. Et voilà comment la collaboration s'est faite, on a tourné au Georges V à Douala. Non, c'était une superbe expérience. Après, je vous avoue que j'avais écrit un scénario, je n'ai pas pu tourner comme je voulais. Mais je me suis servi de l'ambiance dans la salle, il y avait des gens, ils étaient contents. Alors je suis allée chercher des gens contents en images et c'était une super expérience parce qu'en fait à la fin toute l'équipe dansait et tout. Voilà, en parlant de clip, hein, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder ce magnifique clip de Frankie P et on se retrouve juste après pour le mot de fin. Yeah, yeah. You wanna touch the sky? Let me get it on. Ready for the party? Put your chains on. You wanna take my money? Put your strings on. I'm ready with my boys. We got the Louis Vuitton on. We on the game and fuck the jealousy. Money in the thing and I'm in the club like a big boss. And when the DJ play my shit, I say it. Put your champagne up, champagne up, champagne up. Let me put my champagne up, champagne up, champagne up. Put your champagne up, champagne up, champagne up. And let me put my champagne up, champagne up, champagne up. Oh yeah, I want my ladies to get on the floor. For your kiss, I wanna give you some more. You wanna century it, let me do it. Into the light, I wanna see your body moving. Hey, hey, we pop champagne. And a sexy girl, move that thing. We are the player, homie, we are the game. So let's the joy begin, yeah, yeah. So if you wanna move fast or slow, I'm gonna just flash it, yeah. So this is a smash it. You're gonna put your champagne up, champagne up. Let me put my champagne up, champagne up. I say put your champagne up, champagne up. Let me put my champagne up, oh yeah. Are you ready
Are you ready, ready, ready to feel us like that, y'all? I'm so famous. Hey, are you ready, ready, ready to feel? Are you ready, ready, ready to feel us like that, y'all? I'm so famous. Just champagne up, champagne up, champagne up. So let me put my champagne up. Nous sortons de ce magnifique clip, voilà. Et qu'en est-il des spots publicitaires? En fait, j'ai fait plusieurs spots, mais qu'on appelle des spots concours. C'est des grandes marques qui lancent comme ça des appels à création et qui s'adressent à monsieur tout le monde. Et en fait, on crée un spot de 30 secondes à 30 à 45 secondes. Et en fait, j'ai remporté le deuxième prix, celui de la Massif. La Massif qui est une grosse boîte d'assurance. Et voilà, donc c'était de la com interne. Ça veut dire que c'est pas diffusé à la télé, mais c'est de la belle com interne. Ouais. Et voilà, donc c'était une superbe expérience. C'était sur le port du casque à vélo, de montrer aux gens que c'est important de porter un casque. Et c'était une pub de 30 secondes à peu près. Et voilà, le deuxième prix, c'était vraiment chouette pour toute l'équipe. Avec le deuxième prix, en fait, enfin, les prix, c'est vous gagnez des sommes d'argent en numéraire, net non imposable. Donc c'est plutôt agréable. Ça fait du bien au compte en banque en général. Il faut dire que l'émission tire à sa fin. Hein. Un mot à l'endroit de ceux qui te regardent. Écoutez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de passionnés de cinéma derrière. Moi, je suis passionnée de cinéma. Écoutez, moi j'ai envie de dire aux personnes d'être un peu plus exigeant dans les films qu'ils regardent. Bon, ça veut dire de ne pas se contenter de dire l'histoire de l'autre qui a trompé, l'autre m'a plu. C'est de voir comment cette histoire a été racontée. Et j'ai envie de dire aux gens, allez voir des films, parce que les films, ça vous ouvre au monde, ça vous ouvre à ce qui se passe dehors. Hein, le Cameroun, la terre ne s'arrête pas au Cameroun, il y a plein d'autres choses. Et voilà, moi je leur souhaite de faire des films, de regarder beaucoup de films et de montrer que c'est des vrais passionnés. Merci chers téléspectateurs d'avoir regardé. Je suis Larissa Chanel. On se retrouve pour une nouvelle édition. D'ici à là, portez-vous bien.